Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Civilisation 6 avec la France de Catherine de Médicis. Donc, à l'épisode précédent, on avait juste continué à développer notre empire, hein, tranquillou. Mais je vois que notre cher Congolais, ouah, même les Russes ont commencé à se déployer par ici pour récupérer les teintures, les truffes et le bétail. D'accord. C'est quand même, ils font chier. En plus, ils ont quand même un bon emplacement avec une rivière à côté et tout. C'est un emplacement que j'avais un peu... J'avais lorgné dessus. J'ai dit pourquoi pas, mais ça me semblait un peu... Ouais, un peu éloigné. Au pire, nous, on peut peut-être se caler par ici. Si on aurait un emplacement quand même assez intéressant. On a pas mal de nourriture, on aurait accès à cette merveille naturelle. Voire même ici, on serait pas mal aussi. Et puis, on aurait accès à la mer, donc on aurait accès à de l'eau, même s'il n'y a pas de... Juste, il faut pas trop que je sois proche de Paris... De Marseille, pardon. Ici serait bien, je pense. Ouais, on fera un colon, je pense, depuis Marseille. En parlant de ça, d'ailleurs, toi, il faudra que je t'envoie au prochain tour. Toi, t'es devenu République classique, terminé le développement des Lumières, et je crois qu'il est un peu en avance sur moi, sur certaines choses. Bon. Établir une route commerciale depuis Marseille. Alors, où est-ce qu'on l'envoie, cette route ? Quand même des bons boosts depuis Toulouse, ça nous ferait une route comme ça en plus. Ça serait pas mal. Paris serait bien aussi. Comme ça, on aurait une route qui irait enfin à Paris. Sinon, on peut même aller jusqu'à Nantes-Madol en fait, et on passerait par Paris. Ouais, ça serait encore mieux. Allez, on va faire ça pour l'instant. Ok. Donc toi, tu vas commencer à nous explorer du coup, les environs. Alors, toi, il te reste 3 charges encore, et il me conseille de faire du coup des fermes. Ça pourrait être assez intéressant, effectivement. On va déjà commencer à revenir. Je viens de découvrir les îles Galapagos. Et qu'on rencontre d'autres civilisations. La première fois que je suis monté sur le toit du palais du Potala, j'ai senti plus que jamais que je montais sur le toit. En termes de merveilles, on est quand même pas mal. Sur une dimension de conscience que je n'avais encore jamais connue auparavant. Yep. Les temps ont changé. Nickel. Et l'heure n'est plus aux délégations diplomatiques. Un diplomate est un homme qui n'oublie jamais. Effectivement, ambassade permanente. Mais ne se rappelle jamais son âge. Pardon ? N'oublie jamais l'anniversaire d'une femme et ne se rappelle jamais son âge. si elle accepte, elle se montrera plus amicale envers vous, votre niveau d'accès augmentera et la capitale de la civilisation sera révélée. Bon, ça je connaissais déjà. On a pas mal de Cassius Belli. Et production des espions plus 50% personnage. Ouais, alors je crois pas qu'on va changer nos doctrines pour ça. Par contre, je ferais bien une ambassade permanente. Voilà, 50 d'or. Voilà. Au revoir. Nickel. Et du coup, lui qui même qui est un peu hostile quand même. Je vais établir une ambassade permanente chez lui. Ah merde, il veut pas. Je m'étonne pas trop, remarque. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme dog maintenant? L'église réformée. Bon, ça, vu qu'on a eu un boost. Alors à Paris. Ah oui, d'ailleurs. Oh merde, oui, je suis bête. J'ai un deuxième emplacement de doctrine diplomatique, moi. Bonne influence par 2 autour plus 2, ça serait pas mal, ça. Ouais, je vais reprendre ça. Ok. La cité interdite était intéressante. Doctrine Joker plus 1, je pourrais mettre ce que je veux comme ça. C'est quand même pas mal du tout. Où est-ce que je peux la mettre? Bon, je peux la mettre là. Je peux le faire. Sinon, cette fameuse cathédrale... Oh non, les remparts médiévaux. Je suis désolé, ça c'est prioritaire. Ensuite, sur Nantes. Il me conseille le phare, je suis assez d'accord avec ça. Pour avoir un petit bonus d'habitation, parce que là on est au max. Route commerciale plus 1, octroie un négociant, doit être construit sur la côte et une case adjacente à un terre ou un port. Donc c'est vrai qu'on pourrait le faire là. Bon, cette tour, ça me paraît un poil long quand même. Je vais faire le phare. Ah, amitié terminée encore. Ah ben, on est alliés, donc peut-être qu'on peut plus déclarer notre amitié si on est alliés. Bon, dans 2 tours, de toute façon, j'ai la caravelle. Je pense que j'aurai les thunes. T'en as plus 72 maintenant. Quand même pas mal.
On va continuer à explorer un peu vers le nord. On va essayer de rester pas trop loin, parce que si je veux l'améliorer, il faut que je reste dans mon territoire. Et au prochain tour, je devrais avoir les caravelles, ça devrait le faire. Et c'est vrai qu'il faut que je fasse mon campus aussi. Pas que je l'oublie celui-là. Ah, mon bâtisseur. Alors, mon bâtisseur, je pense qu'il va venir ici. Il a construit un monument dans sa ville. Oui, ok. Donc, cartographie est à nous. Ah, Gérard Tolkien. Donc du coup, si tu reviens là, je peux t'upgrader pour 270, parfait. Et comme ça, on va pouvoir explorer ce qu'on veut. Et je pense que je vais le mettre en exploration automatique au prochain tour. Alors, les voiles carrées ou la banque? Je pense qu'on va aller vers la banque, plutôt. Ok, donc maintenant, tu nous fais ça. Une petite mine serait sympa, je pense. Et toi, du coup... Exploration automatique. Oula. Quel. Donc à Paris maintenant. À Paris. Je pense que le mieux ce serait de faire la cité interdite. Donc 3 tours pour la cathédrale. Mais remarquez, avec tout ce que j'ai, je peux la faire avec la foi. Donc je vais la construire avec la foi, la cathédrale. Comme ça on l'aura. Et donc plus 2 de culture. Loisir plus 3 activités. C'est monstrueux, mais j'ai déjà pas mal d'activités ici. Adjacent au complexe de loisirs. Ah bah oui, j'en ai un ici, donc vous voyez, je peux bénéficier quand même de ce bonus d'adjacence. La Sainte-Sophie. Ici serait pas mal. J'ai plus envie d'aller sur la cité interdite, moi, donc à la place des bois. Ici. Là, j'aurais mes bonus de doctrine diplomatique. Donc, oui, on avait dit un campus, mais il me faut 10 de pop ou plus. Donc ce sera dans 7 tours. Donc je pourrais le faire à Nantes, peut-être, ce campus. Production bonus en quantité égale au bonus de proximité d'or. Ouais, mais celui-là, il a pas un gros bonus de proximité d'or, malheureusement. Je pense que l'atelier serait beaucoup plus adapté. Non, un espion. Ouais. Non, je pense que l'atelier sera très bien. Petit bonus de production. Et en plus, cet atelier va nous donner des... Enfin, je crois qu'il faut que je fasse 3 ateliers. Pour avoir une optimisation. Les 3 grands éléments de la civilisation moderne sont la poudre à canon, l'imprimerie et le protestantisme. Alors ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas spécialement, et double la foi générée par les bâtiments des lieux saints. Ça m'intéresse pas énormément non plus. Pas beaucoup de doctrine économique. La route commerciale internationale, j'en ai un petit peu plus, mais bon. Bien sûr que ce soit vraiment très intéressant. Je pense qu'on va aller vers l'humanisme. Tenez, un artiste illustre. Où est-ce qu'on en est sur les artistes illustres? On est loin encore quand même. Hein. Ouais, une bonne centaine de tours à peu près. Construisez 2 caravelles. Non, je pense que là on aura le castel. C'est quand même plus intéressant. Ou au pire, ce que je peux... Est-ce que je peux tenter... Parce que... Quand même un changement de doctrine gratuit. Ah, j'ai pas de truc d'artiste illustre de toute façon. Ok. Donc on va, ouais, on va aller vers l'humanisme. Alors à Rouen, pour conseiller un petit monument ou un campus, sinon on va faire un petit monument pour l'instant. Et voilà, comme ça ce bâtisseur, normalement c'était sa dernière charge, je crois. Non, il nous en reste une. Putain, j'en ai trop des charges en fait. Qu'est-ce qui se passe? Putain, mais Candy, il faut que je monte à 5, je vais même monter jusqu'à 6 en fait. Ah, je sais pas ce que j'ai fait.
En guise de dernière amélioration, je pense qu'on va faire une petite, la petite recommandation qui est ici, ce sera très bien. Ok, donc à Nantes. Là, il faut que je fasse mon campus. Pour pouvoir utiliser mon personnage illustré. Ah, sinon, j'ai les remparts médiévaux, c'est vrai. Merde. Ah. Merde. Non, le campus, c'est prioritaire pour pouvoir déployer mon mec. Mon petit campus. C'est très bien. Du coup, avec un bonus d'adjacence, plus un de science. Je pense que ça serait pas mal. Et puis comme ça, je mettrai un autre district ici, peut-être. Ouais. Sinon, le campus, c'est à Toulouse qu'il faut le faire. Genre par ici. Mais non, ça, c'est une case plutôt de Paris. Ou alors, il faut que je swap les deux cases. Non, on va le faire là. Peut-être faire une deuxième caravelle. Ça coûte combien une caravelle? 960. Ah oui, quand même. Je peux acheter un apôtre, ça m'intéresse pas. Je monte à 4 maintenant. Donc ça, ça veut dire que ouais, on a fait notre quartier ici. J'augmente notre or. Parfait. Il me propose sinon un campement, ou une cathédrale, ou la Sainte-Sophie. On pourrait faire Sainte-Sophie au pire ici. Voyons voir. Plus 4 de foi, c'est sympa 4 de foi quand même. Ça donne plus de puissance à mes apôtres et à mes missionnaires. Si jamais à un moment donné je veux... Enfin, en plus si je veux développer ma religion, bon, tous ces gens-là, ça pourrait le faire. On a un bon emplacement par là. Et ça, ou alors... Ça m'intéresse un peu moins. Ouais, vous savez quoi? On va faire ça. J'aime bien construire des merveilles. J'espère juste que personne d'autre va la construire entre temps. Découvre la banque, nous aussi. J'ai donc ça veut dire qu'on n'est pas trop à la bourre. La banque 24 heures sur 24. Mais ça m'a semblé un peu long. Ok. On va peut-être aller sur les voiles carrées du coup pour débloquer ça rapidement. Du coup, à Rouen, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors il me conseille soit le lieu saint, soit la plateforme commerciale. La plateforme commerciale pourrait être intéressante. Je pense qu'il va y avoir pas mal de thunes dans cette ville. Puis elle est un peu au carrefour de plusieurs routes commerciales, comme vous pouvez le voir. J'ai pas de bonus... Si, j'ai un bonus de plus de d'or ici. Bon, bah dommage, j'avais fait une ferme. Mais... Ou alors... Ah oui, j'ai du plus de d'or aussi sur ces deux endroits-là. Est-ce que je veux gaspiller ma ferme? Bah, le truc, c'est que j'ai déjà pas mal de bouffe un peu partout ailleurs, donc cette ferme-là est quand même pas vraiment indispensable. Par contre, la production ici, j'en ai beaucoup plus besoin. Donc ouais, on va gaspiller cette ferme. Ok. Ah, Rouen s'est bien développé quand même. Juste de voir où est-ce que je peux me caser une autre ville. Ah, on avait dit par là. Hein. Ouais, on avait dit par là. On a quand même bien rééquilibré notre culture et notre science. C'est pas trop mal. Faut quand même que je fasse finisse mes remparts dans mes différentes villes. Je suis à 3 sur 4 maintenant, donc il va me falloir faire un autre négociant.
On a pas mal de tourisme quand même. Hein. Alors je peux m'acheter une cathédrale. Pour se faire plaisir. Voilà. 3 de science seulement. Attrait époustouflant, tu m'étonnes. On va qu'on se construise Notre-Dame aussi, si elle y est. Ok, donc on va avoir notre atelier à Toulouse. La plus 32 fois, c'est pas trop mal. Je pense qu'on va acheter un peu des missionnaires maintenant. Oh, mon dieu. Un barbare. Je peux même pas lui tirer dessus, c'est la blaze. Je peux le tuer avec lui. Ouais. Or 12, barbare. Pas la moindre idée. On va se soigner après. Donc, à Toulouse, qu'est-ce qu'on va faire à Toulouse maintenant que nous avons notre atelier? Il me conseille le Colosse, ça peut être sympa un Colosse. Le Mont-Saint-Michel à Toulouse, normal! Eux ils veulent le faire, ouais, en bord de mer, sur des marches, sur une marche, oui ça paraît logique. Bon, 25 tours, c'est un peu long. Non, le Colisée. Tous les centres-villes dans un rayon de 6 cases. Ça boosterait Paris, Nantes et Toulouse quand même. Ah! Pourquoi je peux pas le faire là? Faut que j'échange. Je vais échanger ça. Voir, est-ce que c'est bon là? Ouais. Parti. C'est là, tout ce qui est dans un rayon de 6 cases, c'est ces 3 villes là. Ok, donc toi tu vas te soigner. Ok, donc on a un comptoir qui a été construit à Rouen. Non. Et via Rouen, d'accord. Ce ne sont pas les hautes voiles. Alors, donc depuis Rouen, on a construit des choses. C'était vers Paris qu'on l'avait fait, c'est ça? Donc ça serait peut-être pas mal de se déplacer à Toulouse maintenant. Et essayer de faire une route, qui voir si elle peut passer par Paris et Rouen et aller à Zanzibar, par exemple, ou à une autre de ces villes, peut-être. On verra au prochain tour. Bon, là, j'ai plus de boost. L'industrialisation serait super intéressant. L'usine. Ça, ah, on pourrait découvrir le salpêtre avec la poudre à canon. Ça serait intéressant. Et l'université d'Oxford et les accords de recherche. Intéressant. Adopter le dogme des Lumières. Ce dogme, moi. Les lumières, je crois pas que je l'ai. Non. Lumière. Et dès qu'on aura fini l'humanisme, on va aller sur les lumières. Ça marche. Donc ça, je pourrais l'avoir bientôt. Posséder des bombes. Non, on va aller sur la poudre à canon. Ça va nous permettre d'améliorer certaines de nos choses. Donc on avait dit, ce monsieur-là, balance 2. Ça nous permet de débloquer du coup plus 2 supplémentaires pour chaque lieu saint. Faire un bon boost, c'est pas mal. Et ok, il me faut un commerçant. Je crois que j'en produise un ou que j'en a... Ou avec les thunes que j'ai, je peux en acheter un. Est-ce que je le fais partir de Marseille? Là, on va en faire partir un de Toulouse. Donc, de Toulouse, on avait dit... Je veux l'envoyer à Zanzibar. Ça le fait passer par Nantes, Rouen, Zanzibar. Pas dégueulasse. Ça nous... Non, cette route, elle existe déjà. 9 d'or. Voilà. Et... Je me demande si... Ouais, je vais peut-être en faire partir une de Paris. On verra au prochain tour. Voir si je peux donner quelques boosts un peu à Paris, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux, toi? Des baleines contre de l'argent et du sel.
Le libre passage. Et 5 d'or pour 30 tours. Vous savez quoi, je vais accepter. J'ai envie d'améliorer ma relation un peu avec lui. Un musée d'art. La Russie commerce avec la France. Donc ça va, il est assez neutre. Ouais, il est complètement neutre. Du coup, on n'a pas du tout d'icône quand il est neutre. Donc ça nous donne des points de bonus illustres. Le fameux castel. Débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire un castel exclusif à la France. Culture plus 1, plus 2 si adjacent une merveille. Oh. Or plus 1 si adjacent une ressource de luxe. Oh. Sur une case adjacente à une rivière. Je pense que j'ai de la place par ici. J'ai deux merveilles par exemple. Ok. Et après on a le musée d'archéologie. Berge des artefacts. Et un musée d'art. Des chefs-d'œuvre artistiques. D'accord. Alors déjà deux paris. À Vernon de Madol, c'est quand même pas dégueu quoi. En termes de thunes et en termes de culture. Parce que après quand même le réseau routier est assez bien fourni. J'ai jamais fait de route vers Toulouse. C'est vrai que j'ai pas de lien direct vers Toulouse. Et un petit boost de production. On va faire une petite route commerciale comme ça vite fait, histoire de construire une route sur ce long là. Et on avait dit donc les lumières. Voilà. Et un missionnaire, ça m'intéresse pas. Bon, voilà, parfait. Bon, je vais vous laisser là pour ce nouvel épisode, mes amis. Merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, je vous souhaite une excellente journée. Attendez, j'essaie juste de voir où est... Ah, d'accord, notre unité maritime, elle a décidé d'aller explorer le Grand Sud. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous.